bienvenue amis téléspectateurs et téléspectatrices de France 2. Bienvenue pour notre finale. Nous sommes dans la cabine avec mon ami Bob pour commenter cette super finale du Super Fantasy Brawl. Comment vas-tu Bob? Ça va Oui, je sais plus comment c'était l'autre. France, non? Je sais plus comment c'était l'autre. Oui. Mais bref, quoi qu'il en soit, amis sportifs, amis de la tatane et de la castagne, bienvenue pour cette partie de Super Fantasy Brawl. Il y a du sport un petit peu musclé. C'est avec l'équipe de Mythic Games, vous l'avez deviné, puisque c'est Léo qui est avec nous et non pas Bob. Salut Léo. Salut Guillaume. Enfin, prêt pour t'attaler? Plus que jamais. Eh ben, écoute, toujours contente de jouer des parties. Elles vont vite et à chaque fois, elles sont toujours différentes. C'est ce que vous allez voir. On va considérer qu'on a Gwayen, Kilgore, Tsuchao, Dugrun, Derin et Goldar qui sont les trois présentés ici. Les six, les 2x3, puisqu'on les a dans le coin, en sachant que celle-ci donc ne sera pas jouée, mais nous est présentée Colel pour la première fois, et que du côté de la taupe, c'est pareil, on ne jouera pas avec, mais avec les trois autres de chaque côté, oui. Qui commence? Eh bien, nous allons déterminer au hasard le premier joueur, et tu vas lancer. Alors, si c'est. Moi, je suis bleu. Non, toi tu es rouge. Toi tu as la hache rouge et moi j'ai l'épée bleue. Bleu. Donc si c'est la hache, c'est toi. Si c'est l'épée, c'est moi. Ok, ready, toss. C'est la hache, tu seras le premier joueur. Ok. Alors en tant que premier joueur, je fais quoi? Alors, en tant que premier joueur, maintenant on va faire d'abord le draft. Draft alors, de héros. Alors, comme tu as gagné d'être premier joueur, j'ai le premier pick. T'as le first pick. Ok. Et donc, en first pick. Donc je toi, tu connais un peu les, hein, tu connais un petit peu. Oui, je connais bien ces champions et je sais celles que j'aime beaucoup jouer. Et donc, je vais choisir d'abord. Et vas-y, prends Gwayen. Je vais prendre Gwayen et je la mets dans la zone, dans la zone d'attente. Voilà. Et je prends ces cartes. L'enchanteresse, forceuse magicienne. Elle est très forte à distance. Hein. Très forte à distance, très faible au corps à corps. Ouais. Elle est très vulnérable. Elle n'a pas d'armure. Elle n'a que 6 points de vie. Donc, elle peut se faire mettre KO facilement. Mais par contre, elle est très forte elle à distance. C'est vraiment un damage dealer. Voilà, très balèze. Voilà. Enfin, dans ce rôle-là. Un rôle très spécifique. Ok. Donc, c'est à toi. Tu vas pouvoir choisir. J'en suis désolé, je ne devrais pas, mais j'ai une amitié forte pour Tsuchao, donc je vais prendre... Oh, non, mais tu ne devrais pas faire ça. Tant pis, si. Allez, c'est un maître, je vais prendre Tsuchao. Mais non, la partie n'est pas pliée, Germain, pas du tout. Hey, Tsuchao, il est très fort avec Tsuchao ses cris de jade. Tsuchao est très fort, donc il est assez mobile, il peut faire des sauts. Il peut faire perdre beaucoup de points de vie à n'importe qui puisqu'il a une capacité qui les fait devenir mal en point, c'est-à-dire que tu perds la moitié de tes points de vie arrondis au supérieur, quand c'est un chiffre impair. Il a 9 points de vie quand même. Il a 9 points de vie, donc il peut quand même encaisser. Hein. Ah ouais, il va encaisser. Il n'a pas d'armure, mais il a 9 points de vie, ce qui est énorme. Ok, ça sera mon premier personnage. Donc, tu mets sa carte et tu commences. Avec alors maintenant, du coup, je vais choisir par rapport à ça. Écoute, je vais choisir. Je vais choisir Goldar. Ok. Je vais choisir Goldar qui est également un de mes préférés. Ouais, le pirate. C'est le pirate. L'ogre pirate. Tiens. L'ogre pirate. Donc, Goldar, lui, son rôle. Ouais. Il est c'est un encaisseur, hein. Il a un d'armure et 8 points de vie, donc avant de le dégommer, c'est difficile. Mm-hmm. Quand il monte de niveau, il est immunisé au push. Donc il peut tenir bien les objectifs et il a quelques attaques. Il peut beaucoup facilement tirer les autres, avec pousser avec sa chaîne, avec son encre. Ouais. Et il a de temps en temps des dashs, donc des charges, où il peut avancer vite. C'est vraiment un encaisseur. Donc, par rapport à une autre qui est plus faible, je l'aime bien en combinaison quand je peux avoir ces deux-là. Je vais prendre Derin, la chasseresse du bois d'Orient. Je voulais te faire un petit peu souffrir. Je crois que j'ai réussi. Donc, l'humaine chasseuse va rejoindre. Voilà. C'est une chasseresse
Et alors, elle est très bien parce qu'elle a des attaques à distance. Elle a des réactions qui lui permettent de venir au contact de l'attaquant. Ouais. Quand elle passe, elle monte de niveau, elle a des bonus sur les zones pièges. Ouais. Elle a aussi des bonus quand les adversaires sont sur des zones pièges qui constituent parfois des objectifs à atteindre. Donc, elle est très polyvalente. Alors, elle n'est pas très résistante. Bah, elle est un peu plus résistante que Gwaiette, qui a 6 points de vie, mais elle n'a pas d'armure. Donc, elle peut aussi se faire éliminer assez facilement. Mais elle reviendra. C'est toi qui vas choisir le dernier. Il reste une bonne brute ou un bon tank. Kilgor ou De Groen ? Tu vas jouer défensif ? Je vais choisir Kilgor. Je vais choisir Kilgor. Pourquoi ? Okay. Parce que Kilgor régénère. Il est moins lent que De Groen. Alors, j'ai déjà quelqu'un qui a beaucoup de défense. J'ai déjà un mec à défense, donc je n'ai pas besoin d'un 2 de défense. Par contre, va t'arranger parce que tu n'avais personne qui avait de la défense. Tu n'avais pas de tank. Là, tu en as un. Ouais. Voilà. Ok, donc on a nos 18 cartes que l'on mélange. Voilà. Et là, ce coup-ci, c'est parti. Ça, c'est le niveau, on va dire, le niveau de règle. On n'a pas fait notre deck de 5 héros qu'on élimine. On le joue vraiment bon enfant, petit match avec les copains. Boum, boum, on se tape dessus. C'est un mode de draft qui permet de jouer avec les figurines qu'on a. Alors que sinon, dans l'autre, il faut amener chacun ses propres figurines. Il faut peut-être plus d'une boîte de jeu. D'accord. Que là, dans celui-ci, il n'y a pas besoin. Donc, une fois qu'on a fait ça… On va installer les pièges. Non, d'abord les défis. D'abord les défis. Ok. Donc, je les ai remélangés. Je peux les remélanger vas-y. Pour bien montrer que rien n'est pipoté. Voilà. J'avais totale confiance en toi, Léo. Voilà. Ok. Et donc, je révèle d'abord sur la case 1. On peut marquer tout de suite ? Non, on ne peut pas marquer sur le premier round. Premier round, à partir du deuxième round seulement, on peut marquer. Donc là, contrôler la zone de déploiement ennemie. Waouh, ok, donc ça veut dire traverser le terrain. Traverser le terrain et avoir plus de figurines dans la zone de déploiement ennemie que l'ennemi. Zone de déploiement de 5 cases. Hein. C'est ça. Ok. Et le deuxième, avoir 3 champions adjacents à la même statue. Ah, voilà. Ah, très bien. J'ai eu l'avantage du toss, donc je pioche 5 cartes. Alors non, il faut d'abord que Ah oui, c'est vrai, il y a les pièges. Il faut d'abord, et tu es le premier joueur, tu vas être le premier à placer les 2 pièges. Je ne vais pas chercher… Sur les 3 zones disponibles. Je ne vais pas chercher midi 14h. Hein. Tu les mets de mon côté. Bah oui, voilà. Logique. Je vais pas… Alors, moi, je vais faire pareil. Je vais les faire comme ça. Ok. Voilà, et une fois que c'est fini… Tu vas piocher 5 cartes. Alors, est-ce que tu as mélangé ton deck ? J'ai pioché 1, 2, 3, 4, 5. Tu as pioché. Alors, il y a une règle de Mulligan qui est que pour le premier tour, tu as le droit de défausser jusqu'à 5 cartes et de repiocher le même nombre pour avoir 5 cartes en main. Ces cartes qui sont défaussées, elles ne reviendront pas tant que ta pioche ne sera pas épuisée. Hein. Voilà. Non. Tu gardes tes 5 cartes ? Je garde mes 5 cartes, elles sont tellement top que… Bon, à moi de le faire maintenant. Je pioche mes 5 cartes. Je suis impatient de voir les illustrations en lien avec le titre de la carte. Ah. Quand tu vas voir… je ne le dis pas parce que toi, tu les connais et puis tu vas en profiter pour me gagner. Mais j'attends avec impatience. Ok, tu mules, Igan ? Tu sais quoi ? Je vais la garder. Je la garde. Je garde aussi. Alors, qui commence la mise en place ? Alors, maintenant, c'est le joueur 1 qui va déployer. Tu vas déployer tes trois figurines et moi, je déploierai les miennes ensuite. Ok. Là. Là. Et là. Très bien. Purée, t'as des gros bourrés en face quand même, hein. Ah oui. Ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est pas ma cible, elle. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Je te crois, mais bon, je me méfie parfois, hein, quand même. Hein. Je me méfie légèrement. Tu n'es pas naïf. Hein. Non. Non, ouais, je sais. Ok. Voilà. Et c'est parti.
Et c'est parti. Et c'est parti. Donc, maintenant que tout ça est fait, eh bien, c'est simple. C'est à toi de jouer. Donc, tu vas épuiser tes essences. Mes essences, tout à fait. Et jouer des cartes. Alors, je vais commencer par jouer de la part de Dougroun la carte en avant. Ça me paraît bien. Donc, je fais un déplacement de 1. Alors, pardon, j'épuise mon essence jaune. Voilà. Tac, pour payer cette carte-là. J'ai le droit à un déplacement de 1 de notre ami Dougroun, ce que je vais faire de suite. Il va venir là. Et ensuite, tous les alliés peuvent effectuer une charge 1, donc se déplacer de 1. Ah oui, okay. Ça c'est pas mal pour accélérer, pour un début de partie, c'est très bien. Voilà, ça permet d'aller un petit peu plus vite là où je souhaite aller. Alors, je vais partir ici et je vais aller ici. Voilà, donc okay. Tu défausses la carte. Voilà, c'est fait. C'est là ta défausse. Ah, j'avais une pioche 1, pardon. Oh oui, c'est vrai, j'avais une pioche 1, ça c'est important. Ça, c'est pas cool par contre. Ensuite, je vais. Non, ça va pas le faire cette histoire. Ça va pas le faire cette histoire. Oui, ça peut pas marcher. Non, ça marche toujours pas. Ah, purée! Ah, si. Ah, ta. Ouais, alors, je dépense. Ouais, ça marche. Je dépense mon bleu. Oui. Pour faire un sprint. D'accord. D'accord. Okay. Qui va sprinter? Dérin. Dérin. 1, 2. Elle esquive D'accord. les pièges. Et ensuite, je dépense mon rouge oui. avec une volée de carreaux de la part de Dérin. Ah. Donc, elle peut se déplacer de 2. Si jamais je ne fais pas le déplacement, je ne peux plus le faire après. Je ne peux pas faire l'attaque avant. C'est dans tout de haut d'en bas. De haut d'en bas. Oui. Eh bien, écoute, je vais me mettre là et uniquement là. Oui. Ensuite, à une distance de 2, enfin de minimum 2 jusqu'à 3, donc 1, 2, 3, c'est bon. Oui. Je fais une attaque de 3. Est-ce que tu réagis? Eh non, j'aurais peut-être dû quand même mulliganer, je veux dire, pour donc, essayer d'avoir une carte de défense, mais malheureusement, je me prends donc 3. 3. Ce qui est beaucoup. Je me prends 3 et c'est pas fini. Non. J'ai, après l'attaque, poussé 2 et il n'y a pas de place derrière. Donc, tu te prends le mur de l'arène bien comme il faut. Avec donc, je suis à 5 points de vie. Il ne me reste 6. Plus que 1 point de vie. Avec... Eh bien, écoute, c'est pas mauvais comme tour. Voilà. Je n'ai plus rien. Qu'est-ce que je fais? Tu défausses toutes tes cartes. Oh la vache, j'en perds des bonnes aussi. Hein. Voilà. Tu récupères tes essences et tu repioches 5 cartes. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. C'est à toi. C'est à moi. Bien. J'aime bien ce premier tour. Ah, attends, oui, mais faut quand même regarder ce qui se passe. Ok, ça, c'est pas mal. On a fait bien attention que Léo mélange ses objectifs, mais on n'a pas fait bien attention que Guillaume mélange ses cartes. Oh, Germain oh là là là. Hey, mais t'es vil ou quoi? Je croyais que t'étais de mon côté en plus. Non, mais attends. Non, je suis prêt là, impec. Et ensuite, ensuite c'est parfait. Oh purée, ça va tacler au tour d'après. Après, oh là là. Non mais t'as vu, dès qu'il n'y a pas de dé, ça se passe bien. Ça, j'aime beaucoup ce jeu, il n'y a pas de dé. Bon, alors, c'est à moi. Ouais, t'as tes 3 énergies. Oui. Dougroun est entré sur le terrain pour se cacher derrière l'essence, derrière la statue de Je vais d'abord jouer manipulation. Bleu. Rouge. Et je vais faire trait de flamme. Ok. Donc, c'est donc Guyenne ouais. qui va se déplacer de 1. Elle va venir ici. Ah, attends. Non.
Si, ça passe. Largement. Non, je ne vais pas faire ça. Je vais faire, excuse-moi, si tu me l'autorises. On est pas, on a dit qu'on n'était pas en mode tournoi, donc il n'y a pas d'arbitre. Si tu me l'autorises, je commence d'abord par du jaune. Okay. Et je vais faire chaîne d'éclair. Donc, elle va se déplacer de 2. Je vais faire 1, 2. Mm-hmm. Elle vient ici. Mm-hmm. Ensuite, il faut que je sois en ligne droite mm-hmm. à portée minimum de 2, portée maximale de 3. C'est bon. Donc, si tu veux montrer la carte, ouais, peut-être. Tout à fait. Voilà. Et ensuite, donc je vise Su Chao, mm-hmm. Su Chao, qui se prend 3 qui va se prendre 3 de dégâts. Ouch. Alors, est-ce que tu as une réaction? Oui. Ah. J'ai une réaction qui me plaît beaucoup. Su Chao fait vengeance, donc je paye bleu, puisque c'est bleu, donc je ne l'aurai pas pour mon tour. Après l'attaque, si la cible n'a pas été mise hors de combat, l'attaquant subit aussi les dégâts de l'attaque. Oh, c'est-à-dire que je vais être mis KO. KO. Et ça compte pour les dégâts de montée de niveau. Bien sûr. Yes. Bien sûr. Bien okay. sûr. Donc, Su Chao, grâce à ça, va pouvoir monter de niveau. Monter de niveau. Mais d'abord, tu me colles 3. Voilà. Après l'attaque, si des dégâts ont été infligés, infligez 2 dégâts à un autre champion dans les 2 cases de la cible. Ah bah oui. Donc, à qui tu fais 2? À qui je fais 2? Dans les 2 cases, tu peux toucher. Ah oui, puis alors c'est du dégât direct. Donc de Grun, son armure, rien. Oui, son armure, rien. Mais bon, oh. Il est tellement dur à faire. Non, je vais le faire sur Derin. Ah, j'espérais que ce que j'allais. Que ce que j'étais non, en train de... tu n'as pas réussi à m'influencer. Je vais le faire sur Derin. Ok. Donc je défausse cette carte. Prends et 3 points de dégâts. 3 points de dégâts, elle est KO. Et Su Chao. Donc tu gagnes 1 point de victoire. Yes, madame. Et Su Chao est passé. Alors, c'est quoi maintenant sa capacité? Les ennemis adjacents subissent, les ennemis, hein, c'est précis dans le wording, subissent moins 1 d'armure. Ah ouais. J'ai des griffes de jade qui me permettent de passer à travers les armures. Ok. On ne devait pas déjà faire le pouvoir de Su Chao avant de faire le... Si, c'est... Après l'attaque? Oui, oui, c'est ce qu'on... Ah oui, bonne... Est-ce que le fait que tu sois KO met fin à ta carte quand même? Non. Non, non. Il s'applique. Parce que si des dégâts ont été infligés, donc on regarde ensuite. Oui, d'accord. Les dégâts ont été infligés, okay. Donc. L'éclair rebondit, voilà. Même si toi tu tombes KO, voilà. Bing, bang, voilà. Boum. Ok, absolument. C'est logique. Tout va bien. Ça marche. Merci Germain. Alors ensuite. Ensuite. Tu pourrais la faire revenir? Ben, je peux la faire revenir tout de suite. Hein. Ah, oui. Et c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais jouer un rouge et je vais jouer cette fois-ci trait de flamme. Oh purée! Donc elle a le droit à un déplacement de 1. Donc sortir des... Alors le déplacement, quand on a été mis KO, ouais. Pour revenir, il faut un déplacement, pas un effet qui te permette de téléporter ou une charge ou quoi. C'est forcément une botte. Et le premier mouvement te fait arriver sur une de tes zones de déploiement, d'accord. Celle que tu veux. Donc là, je vais me faire déplacer de 1 et je vais arriver oui, là. Oui, bien sûr. Okay. Voilà. Et ensuite, est-ce que je suis entre 3 et 5? Oui, tu oui. l'es. Je suis. Et donc là, tu vas prendre 3 d'attaque. Donc c'est sur Derin. Oui. Bon, bah, elle encaisse. Hein. La vache, c'est violent. Hein. Et après l'attaque, tu me pousses de 1. Voilà. Je suis content que ce ne soit pas le piège, hein, garçon. Voilà. Je suis content que ce ne soit pas le piège. Et il te reste bleu, l'essence reste de la bleu. Création. Non, de la manipulation, pardon. Voilà. Il va falloir que je me venge. Eh bien, tu sais ce que je vais faire? Je vais t'embêter un peu. Oh, t'as pas commencé déjà? Je vais utiliser téléportation. Encore? Mais t'as rien d'autre que Gwayen. Saut 4. Donc, je vais pouvoir me déplacer où je veux à 4. Ouais. Eh bien, je vais aller loin. 1, 2, 3, 4. Je vais aller jusque-là. Ouais. Voilà. Tu vas te mettre à l'abri. Un petit peu à l'abri. Ok. Voilà. Donc, je défausse mes cartes. Je récupère mes essences. Je repioche 5 cartes. Et c'est à moi. Et ah non, c'est pas à toi. Non. 2, 3, 4, 5. On décale. On doit décaler. Les challenges. Voilà, les parce qu'on est à la fin du premier tour, du premier round. Et alors, le nouveau, ce sera contrôler la zone de destruction. C'est la zone rouge. Pétard, c'est bon ça. Voilà. Et maintenant, c'est au début de ton tour. On vérifie, puisque là, c'est à partir du deuxième tour. Là, on vérifie
Au début de chaque ronde, si Je remplis un des défis. Alors, est-ce que tu contrôles la zone de déploiement Non. ennemie? Non. Est-ce que tu as trois champions adjacents à la même statue? Non. Non. Et est-ce que tu contrôles la zone de destruction rouge? Non. Non. Mais par contre, si tu m'avais laissé là sans me repousser, je l'avais sans le savoir. Non, Ah non, parce puisqu'elle est à zéro, qu'elle pardon, est à zéro. excuse-moi. Mais oui, il y a un Voilà. tour de préparation, j'ai rien dit. Voilà. Alors, résultat des courses. Résultat des courses. Du coup, ça change tout. Un piège, ça met fin à ton activation? Ah, ça Pas dépend. forcément, Non, pas uniquement forcément. si tu tombes sur immobilisation. Ouais, mais si je fais ça, c'est un petit peu trop gentil. Pif paf. Oh, C'est c'est bon. pas mal ça. Ça, c'est bien. Alors, on va la faire dans. Ouais, je pourrais pas faire les deux, bien sûr. Alors, comment le faire? Si, c'est jouable, mais comme ça. Comme ça et. Je peux passer à travers mes potes, Oui. mais pas faire nier, mais pas finir Voilà. dessus. Et tu ne peux pas passer à travers les ennemis. Ok. Donc ça veut dire qu'il faudrait que je fasse ça et ça. Tout ça pour ça. Ok. Alors, je vais faire une. Je Alors, il ne te suis. reste que deux, tu as que deux cartes, deux Ouais. trucs à jouer. Donc tu joues la De la jaune. jaune, c'est une fuite tactique de la part de Derin. D'accord. Elle peut se déplacer de 3. Comment est-ce qu'on va la faire? Parce qu'est-ce que toi tu pourrais y aller? Oui, éventuellement. Mais j'ai un peu d'avance. Donc je vais faire 1, 2, 3. Et après je pourrais attaquer à une distance de 2. Voilà, mais je ne l'ai pas. Est-ce que comme il n'y a pas d'attaque, après l'attaque se déclenche ou pas? Non, on est bien d'accord. Donc ça c'est fait, mais ça a fait ce que je voulais. Et alors j'ai une double frappe qui me permet d'attaquer, il n'y a pas de déplacement, mais qui me dit avant l'attaque, charge 2. Donc ça c'est Ça, jouable. c'est jouable. Ça, tu peux. Même si tu n'attaques pas derrière, C'est tu peux. ça. Et donc je vais payer ma rouge pour la double frappe de Tsuchao. Double, en fait, quand tu doubles, ça veut dire que tu feras deux fois l'attaque. Ouais, je sais, c'est pour ça que j'aurais voulu la garder, mais j'ai déjà plus mon bleu puisque je l'ai fait en Eh défense au oui. tour d'avant. Donc c'est comme ça. Et si je veux mettre un tout petit peu de pression, je vais faire ce qui n'est peut-être pas prudent, mais je vais passer directement par la Tu fais zone un de piège. charge. Ah oui, alors tu vas te prendre les dégâts du piège. Ah oui. Qu'est-ce que c'est? Bim! Tu dois Étourdi! défausser une carte de. Est-ce que tu en as? J'en ai Non. Alors pas. donc tu me Je montres te tes montre. cartes. Bon, de Et toute ça va façon, c'est. De toute dégager. façon, ça part, donc ça n'a Ouais. pas beaucoup d'importance. Donc, je l'enlève, j'en prends un autre, je le mets sur un piège visible et je vais le mettre là parce que j'aimerais pas que tu m'envahisses de mon côté et après je remélange tout. Tu remélanges tout, Les voilà. pièges, voilà. Ok, j'ai fini mon tour, régénère l'essence, je jette toutes mes cartes et j'en repioche 5, 1, 2, 3, 4 et Donc là, 5. maintenant, tu es adjacent à la même statue. Oui! Donc, je pourrais éventuellement gagner 2 points de victoire puisque ça aura bougé à la fin de ton tour. C'est ça. Sauf si, bien sûr, tu arrives à me faire déloger. C'est ça. Petite pression psychologique. J'ai un point d'avance sur toi. Ah, oh, bah, puis en plus, j'ai la carte dont j'avais besoin. Bah, ça, c'est cool. Ouh, po. Celle avec les attaques à distance avec la Oui, petite flèche t'as pas qui. Il n'y a pas besoin besoin de ligne de. de vue. Non. Enfin, c'est pas en ligne droite, tout ça. D'accord, ok. Je suis impatient que tu joues. J'ai déjà mon tour. C'est vrai? Ouais, je suis prêt. Ok.
Je crois que je sais ce que je vais faire. J'aime pas le regard de Léo quand il dit comme ça, c'est personne. Je sais que... Ouais, c'est ça. Donc, tac. Tac. Ouais. Ça. Donc, il me faut ça. Et il me faut ça. OK. Donc, je vais faire. C'est ça, le truc, c'est de bien... voir dans quel ordre et pas se planter. C'est ça qui est un peu une sorte de cassette. Il faut bien réfléchir. Alors, je vais d'abord commencer par un bleu. OK. Manipulation. Un bleu et je vais faire un déplacement, un sprint de 2 avec elle. Encore. 1, 2. Tu l'aimes bien. Ouais. OK. Donc, une action pour le sprint. Voilà. Ensuite, je vais faire un jaune, donc une action standard. Un jaune, je vais jouer lancer. Donc, le troll va s'approcher de l'elfe et va la lancer jusqu'à 3 cases. Ah oui, d'accord. Excellent. Donc, il se déplace de 2. Un allié adjacent peut ensuite effectuer saut 3. OK. Voilà. Donc, je vais faire 1, 2. Et il va faire 1, 2, 3. Ah. OK. Tout ça pour m'empêcher de marquer ? C'est du joli. Ben, j'espère, on va voir ce que ça va donner. Rouge. On va voir ce que ça va donner. Et enfin, je vais faire le rouge. Je vais faire le rouge qui est la boule de feu. Ça, on s'y attendait pour une magicienne. Tu peux te déplacer de 1, sinon c'est de 2 à 3 cases où tu veux. 3 points de dégâts. Après l'attaque, tu infliges 2 à tous les champions adjacents à la cible. Oh, wow, wow, wow. Alors, tu l'as fait sur qui ? Je vais la faire peut-être se déplacer ici. Ouais. Pour ne pas être dans une zone trop facile, pour qu'elle soit un peu compliquée pour atteindre. Et je vais le faire sur le nain. Bien, je m'en doutais. Donc, 3 points de dégâts, il a 2 d'armure. Je t'annonce que je ne réagis pas. Donc, je prends 1 point de dégâts. Tu prends 1 point de dégâts sur ton nain. Et ensuite... Après l'attaque, infliger 2 dégâts à tous les champions adjacents à la cible. Donc, ici, j'en prends 2 de plus. Tu passes et à 5. Par contre, bam ! Là, je prends 2 de plus. 3, 4, 5, 6, 7... KO pour Derin. Donc, elle est KO. Donc, tu ne tiens plus ton objectif. Non. Moi, je marque un point de victoire. Oui. Et je t'ai empêché de marquer. Donc, voilà. C'était ce que je voulais faire. Ça a marché. Alors que j'étais de l'autre côté du plateau. Ce n'est pas évident. Donc, il fallait vraiment pouvoir se déplacer rapidement. Qu'on appellera maintenant des ruines. Des ruines. C'est des ruines. Voilà. Et alors, je régénère mes essences. Et Gwayenne devient champion. Gwayenne devient champion. C'est-à-dire que maintenant... Quand je l'active, je peux diminuer sa portée minimale de 1 et augmenter sa portée maximale de 1. Donc, elle est encore plus, c'est encore plus facile pour elle d'utiliser ses pouvoirs. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Je fais ça, c'est la fin du tour. On déplace les objectifs. Mm-hmm. Le nouvel objectif, c'est avoir un champion au contact de chaque statue. Ça va pas le faire. Et alors là, maintenant, au début de ton tour, on vérifie. Est-ce que tu contrôles la zone de déploiement ennemi ? Non. Est-ce que tu as 3 champions adjacents à la même statue ? Non. Malheureusement, plus. Est-ce que tu contrôles la zone de destruction ? Non. Et est-ce que tu as un champion au contact de chaque statue ? Non. Donc, c'est à toi. Donc, c'est à moi. Aïe, 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 aïe. Eh bien... On va dire que c'est le moment de jouer ça comme ça. Je vais jouer la traque de Derin, qui peut se déplacer de 2. Oui. Elle va revenir, donc. Donc, elle revient. Et j'aimerais pas qu'elle revienne n'importe où. Donc, elle va revenir 1. Ah, purée. Attends. Il faudra peut-être que je sois malin. Est-ce que je peux jouer ça dans le bon sens ? Oui, mais alors, du coup... Non, ça passera pas. Ah, attends. Ah, non, ça non plus. Est-ce que je peux le jouer autrement ? Oui, peut-être que oui. Reprends ta traque en douille et réfléchis bien. C'est un petit peu chaud cette histoire. C'est un petit peu chaud. Parce que là... Le truc, c'est qu'on se pose toujours plein de questions. Bah oui, dans quel ordre, voilà, dans oui, quel ordre de non. Faire. Est-ce que j'optimise ? Est-ce que c'est la meilleure chose que je puisse faire dans ce tour ? Parfois, est-ce qu'on se dit,
je sacrifie mon tour, mais j'essaie de me positionner, ou j'essaie de viser un adversaire en particulier pour dire est-ce que je peux lui faire des dégâts, est-ce que je peux empêcher mon adversaire de scorer. Bon, là, je ne suis pas dans des situations où je peux scorer, donc ce qu'il va essayer de faire, c'est soit de se positionner de manière à tenir peut-être un objectif qui lui rapportera des points au prochain tour, soit peut-être de se concentrer sur un ennemi pour dire peut-être je peux essayer de l'éliminer ou en tout cas bien l'endommager. Voilà, ce sont toutes les questions qu'est en train de se poser Guillaume. C'est clair, et qui se fait mal à la tête en disant mais je suis sûr que je peux lui faire mal. Mais ça me manque. Ouais, ça veut dire qu'il faut que je le joue. Ah, attends voir. Ah oui, mais non. Ah, ça se goupille pas comme je veux. Ça fait ça, ça fait ça. Là, tu viendrais, sauf que j'ai plus celui-là. Non, bah, je vais faire ce que j'ai dit. Donc, je fais ma traque. Je fais ma traque, c'est mon pion bleu. Je déplace des rines de 2. Donc, je vais faire 1 et 2. Ensuite, j'ai pioche 2. Donc, je pioche 2 cartes. Ensuite, j'ai plan 1. Donc, je peux en mettre une voilà. De côté. Dans ta ouais. Pioche. Donc, ta pioche n'est plus vide. Elle ne sera plus vide. Elle sera revenue à 1. Elle sera revenue à 1. Je vais mettre celle-là ici. Ça, c'est mon plan 1. Et je peux regarder un jeton piège. Oui, celui que tu veux. Et le placer sur n'importe quelle case piège libre. Voilà. Donc, ça, c'est bleu. OK ? Oui. Derine est revenue en jeu. Il me reste jaune et rouge. Jaune, je vais jouer la concentration de Zhu Chao qui peut se déplacer de 1 et qui donne à tous mes champions plus 1 en force d'attaque et plus 1 en déplacement jusqu'à la fin du tour. J'aurais bien. Ouais, tu me diras, je suis con. Ah, mais oui! Si je le fais dans l'autre sens, son déplacement de carte, c'était pas 2, c'était 3. C'est ça. Ah bon, bah, je le fais dans l'autre sens. Tu permets aussi. Je fais concentration. Et il n'était pas dans les cartes piochées, parce que tu as raison, ça aurait pu être. Ça aurait pu être oui, ça aurait pu changer. Bon, alors ça, pas en compétition. J'ai honte, excuse-moi. Mais il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était mon jaune, qui est. Ouais, je vais en premier. Mais oui, t'inquiète, Germain. Et il me reste rouge. Et je vais faire éclair de jade de la part de Zhu Chao, qui se déplace jusqu'à 2. Oui. Il va venir là. Oui. Seulement là pour l'instant. Et il inflige des dégâts jusqu'à toutes les cibles, donc normalement dans les trois zones qu'il y a devant voilà. Lui. Alors quand tu as une zone d'effet comme ça, oui. Tu choisis comment tu la répartis. Toujours en adjacent. D'accord. Il faut qu'il y ait forcément un champion dans le lot. D'accord. Mais ça veut dire que s'il y avait des amis à toi, ça pourrait les avoir. Mais en général, ça arrivera peu parce que il suffit qu'il y ait un des champions que tu cibles qui soit dedans et après, tu le mets comme tu veux. Dans l'autre sens. Voilà. OK. Et donc, les dégâts, c'est jusqu'à ce qu'elle soit mal en point. Jusqu'à ce qu'elle soit mal en point. Donc, comme elle a 6 points de vie, elle va 3. En perdre 3. Okay. Et donc, elle passe à 3 points de vie. OK. J'ai dépensé tout, je défausse les cartes restantes, je renouvelle, je pioche la carte que j'ai mise de côté bien précieusement. Plus 4 autres. Et j'en prends 4 autres et c'est à toi de jouer. Et c'est à moi. Et il y a toujours un point. Ah, tu ne m'as pas laissé. C'était quoi comme dégâts? C'était mal en point. C'était enfin, jusqu'à ce que tu sois mal en point. Il n'y avait pas de valeur d'attaque. Non, pas de donc valeur d'attaque. Une protection n'aurait pas pu me servir parce que tu ne m'as pas laissé réagir à ton attaque. Non, c'est vrai. Il n'y avait que le plus 1, mais je n'ai pas considéré que c'était des dégâts puisqu'il n'y avait pas d'attaque. Tu peux me montrer la carte, s'il te plaît. Bien sûr. L'éclair de jade, voilà, qui est là. Tu vois, elle fait pas de dégâts. Je la mets un petit peu facile. Oui, elle oui, fait pas c'est de vrai, dégâts. C'est vrai. Elle inflige juste ça. Donc, je n'ai même pas compté mon plus 1 de ma absolument. Concentration puisque donc, ce n'est pas de la force. D'accord. Mais voilà, c'est vrai. Oui, tu as raison que tu aurais pu réagir. Excuse-moi. J'aurais pu réagir. Et bon, voilà. C'est une petite attaque à 3, c'est pas grand-chose non plus. Quand même. C'est la moitié de mes points de vie. C'est la moitié de mes points de vie, exactement. Ah, puis de toute façon, tu étais adjacent, tu avais moins 1 en armure. Ça compte à moins 1, 0, tu peux descendre à moins 1? Non. Tu as 0 en armure. Mon Zhu Chao fait moins 1. Non, tu descends pas en négatif. Hein. Non, non. D'accord. Non, non, non. 1, 2, 3 et 4.
et 5 qui font 5 cartes. Allez. C'est pas moi, hein, c'est toi qui es venu au contact. Hein. Il a perdu combien de points de vie ? 5. Il est à 5, il lui reste 4 points de 4 vie. 4 points de dégâts pour Tzu Chao. D'accord. Et j'ai toutes mes essences pour réagir et me protéger. D'accord. Eh bien, écoute, on va voir assez rapidement ce que ça peut donner. Je vais jouer avec Goldar. Goldar, qui harponne. Donc, il se déplace de 2. En ligne droite, jusqu'à 3 de distance, il fait 1 de dégâts. Et après l'attaque, il fera attraction 2. J'aime pas bien cette histoire. Donc, je vais me faire 1, 2. Ah, il va me foutre dans le piège, l'enfoiré. Oh, punaise, je l'avais préparé juste pour elle et il me le fout dedans. Donc là, je suis en ligne droite dans une portée de 3, je suis à 2. Donc tu te prends déjà 1 dégât, alors, sauf si tu réagis. Sauf si je réagis. Parce que moi, je te le demande. Toi, toi t'es bon joueur. Non, je ne vais pas le faire sur celui-là. Donc je me prends 1 point de dégâts. Bah, donc je repasse à 6 points de dégâts. Ok. Voilà. Ensuite, je vais faire, après l'attaque, attraction 2. Oh, donc, purée, premier, ça vient là, 1. Oh la vache. Tu prends 2 de dégâts. Ah oh, là 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 là. 7, 8. Et ensuite, attraction, le dernier. La dernière attraction, tu viens t'écraser contre moi. Tu me fous un coup de boule. Et l'armure compte pas. Et donc, du coup, ça fait 9. Ça deuxième fait 9. KO. Tu passes KO. Ah, bien vu. Alors là, purée. Donc, il monte de niveau. Et lui retourne là-bas. Et je marque un deuxième point de victoire. Donc, nous sommes à 2-1. Ouais, ça y est, il prend l'avantage. Ah, ça m'énerve. Ça m'énerve. Je l'avais préparé pile pour toi. Il n'y a plus qu'à recommencer. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais faire. Je vais faire avec le bleu, je vais jouer plan 1. Ok. Donc je me déplace de 1 et je peux sauvegarder une carte. Donc lui, il va faire ça, il va venir ici. Et je sauvegarde une carte qui va être celle-ci. Faut qu'on mette un piège, je crois. On a oublié. Oui, tout à fait. Donc, tu ne peux pas le mettre sur celui qui était, c'est ça, hein, tu te l'es pris là. C'est toi qui l'as déclenché. C'est moi qui... Ouais. Non, non, mais c'est toi qui te l'es pris. Donc ah, tu c'est prends... moi qui suis pris. Alors, attends, ah oui, celui-là, ouais, voilà, tu en prends un et tu le mets sur une des deux zones qui n'est pas celle-ci. Ok. Est-ce que si c'est moi. Ensuite. D'accord. Ok. Ok. Donc, j'ai fait plan 1. Oui. Je me suis déplacé de 1 et j'ai posé une carte ici. Ouais, tu as réservé une donc carte. Donc, c'est mon action bleue. Okay. Et pour mon action jaune, je vais faire un sprint de 2. Et je vais faire 1, 2. Vas-y. Essaye de gagner 2 points de victoire à mon nez et à ma barbe. Et je défausse mes cartes et j'en repioche 1, 2, 3, 4, plus un dernier parmi celles qui sont là. Fin du tour, en effet, on déplace les... Alors, contre les add-ons de déploiement ennemi, non. 3 champions adjacents à la même statue, non. La zone de destruction, non. Un champion au contact de chaque statue, non. Et un champion dans les deux zones de déploiement, non. Ah, oh vache. Ah, dis donc. Dis donc, dis donc, dis donc. De Groun, ça te dirait de faire un peu quelque chose, là, Glandeur? Punaise. Je prends la dernière carte, voilà. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Alors attends, il me faudrait... Ça va pas aller. Ça va pas le faire. Donc il faut que je fasse plutôt le chien de Mickey d'abord. Ouais. Alors, t'en es où? Ouais, toi t'as rien. J'ai deux persos qui sont au niveau 2. Et j'ai Guayenne qui a perdu 3 points de vie, il lui en reste 3.
Toi, tes persos là sont bien. Tu n'as que Dugrun qui a perdu un point de vie, mais. Dugrun, pour l'instant, je l'évite. Ah la vache, c'est chaud bouillant, hein. J'arrive pas à faire ce que je veux. Ah si, éventuellement ça. Alors, éventuellement. Oh non, me dites pas ça. Alors, ok, et si je le joue avec ça? Ouais, ça, peut-être que ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Ok, donc on va le faire dans ce sens-là. On va donc. Je vais faire mon bleu et déclencher le piège de Derin. J'aime pas ça, je suis en train de la mettre complètement à portée. 1, 2. Oui. Elle vient ici. Elle peut faire une attaque n'importe où jusqu'à 4, donc peu importe, elle n'a pas besoin de ligne de vue. Ouais. Et elle fera 2 de dégâts. Mm. Et si la cible se trouve dans une case piège. Non, c'est pas le cas. Il n'y en a aucun. Dans l'autre sens, ça ne marchait pas. Hein. J'évite d'être sur des cases pièges quand il y a des rines en face de moi. Côté. Voilà. Ouais, ok. Eh bien, je vise Goldar. Tu vises Goldar. Mm. D'accord. Donc. C'est juste un point de dégâts puisqu'il a un d'armure. C'est juste un point de dégâts. Ah non. Attends. Il a monté de niveau. Oui. Ah, va te faire voir. Il est immunisé aux poussées. Hein. Il est immunisé aux poussées, mais quel chienlit. Là, tu fais que un point de dégâts. Ah oui, c'est ça, tu fais 2. Mais non, c'est toujours pas bon puisque tu peux pas être poussé. Tu voulais me pousser. Oui, tu essayes de me déloger de la zone rouge. Je veux te dégager de là et te mettre hors. Je t'ai mis dans la merde, là. Ben oui, parce que là, c'est 2 points de victoire. Tu te rapproches carrément dangereusement du truc. Ah, purée. Donc, non, ça ne marche toujours pas. Mon plan subit d'autres affres. Là, ça, je peux pas. Alors, pour m'empêcher de contrôler la zone rouge, tu peux soit me pousser, soit m'éliminer, soit positionner 2 personnes dans la zone rouge aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Faut pas l'oublier. Mais c'est pas facile, je reconnais. Ah ben non, puis là, on est loin. On n'avait pas du tout prévu ça. Est-ce que je pourrais faire ça? Mais là, c'est super loin. Pas... Ah oui, ça éventuellement. Et... C'est une attaque de 2. Ah. Oh là là, c'est chaud. 1, 2. Attends. 1, 2. 1, 2. Je vais tout cramer pour faire ça. C'est ridicule. Ah, Guillaume. Attraction. Non, bah non, en plus, tu sais, si tu veux bouger avec Dugrun, oui. Tu vois, là, tu vas avoir immobilisation et donc tu ne pourras plus bouger. tu vas passer sur le piège qui va t'empêcher. Donc, voilà. Ouais. Non, donc ça veut dire que là je te laisse gagner. Bon, c'est pas grave. Allez, j'ai pas le moyen de faire mieux. Donc je fais une volée de carreaux. Je me déplace de 2. Comme ça, je suis au contact. Eh ben non, toujours pas, Guillaume. Parce qu'il y a une distance minimale pour une volée de carreaux. Et la distance minimale, elle est de 2. Ah non, c'était pas celle-là qu'il fallait que tu fasses. C'est déclencher le piège. Et 2, ça suffit, ça suffit pas. Hey, sérieux, comment j'ai pu me mettre là-dedans? Bon, on va faire autrement. Alors, ah si, mais si, bien sûr que si. Oui, bien sûr que si, mais oui. Donc, je fais bleu. Bleu. Oui. Je me déplace de 2, 1, 2. Déclencher le piège. Je te fais une attaque sur Gwyn, qui du coup se prend 2 parce qu'elle n'est juste pas sur le piège. Est-ce que tu veux réagir? Ah. Donc là, c'est 2 et après… C'est 2, il n'y a rien. Et comme elle n'est pas sur le piège, normalement, si tu étais sur un piège, tu prenais plus 2 et en plus, tu subissais étourdissement. Oh, c'est chaud. Je vais réagir. Tac. Je vais réagir avec une jaune. Ok.
Bouclier arcanique. Alors, il marcherait mieux si j'étais à distance, si l'attaquant était à distance, mais même si tu ne l'es pas, j'ai comme une sorte de bouclier magique qui autour m'entoure. De toi. Et j'ai plus 2 d'armure, ce qui fait que je ne me prends rien. Ok. Mais j'ai plus. Ton jaune. J'ai plus mon essence jaune. Ok. Et donc. Ah, oh, putain, c'est vrai que tu résistes. C'est vraiment la chienlit. Alors, ça y est. Ok, je fais jaune. Derin fait un sprint. 1, 2. C'est bon? Et ensuite, je déclenche rouge pour faire voler de carreau. Je me déplace de 2. 1. Ah merde, ça suffit pas! C'est pas grave. Allez. Donc, distance minimale 2. Le troll se prend donc l'attaque. Elle a une attaque à 3. Donc tu peux plus réagir, c'est ça? Si. Tu peux. Je peux réagir. Je ne peux pas faire 2 réactions sur une même attaque. Mais je peux faire une réaction sur une autre activation, tu vois. C'est-à-dire que si tu me ciblais 2 personnages avec une même attaque, je n'ai pas le droit d'en jouer 2 de réaction. Mais par contre, sur une autre attaque, là, je peux, si je veux, réagir. Donc là, ça va faire 3 et après l'attaque Pousser poussée deux. 2. Ça me gonfle. Purée. Ouais, je vais réagir. Si j'avais pas ce minimum d'attaque, je te Eh repoussais oui. de deux, quoi. Mais après l'attaque. Oui, ok. L'attaquant L'attaquant subit subit peur peur 2. 2. Alors, peur 2, ça veut dire que tu vas devoir te Reculer. déplacer de 2. Ouais. Il faut que ce soit de 2. En m'éloignant de l'adversaire. Il faut qu'à la fin, tu sois plus loin qu'au début. Donc, tu es obligé de faire le déplacement de 2 maximal si tu as des possibilités de le faire. Et il faut qu'à la fin, tu sois plus loin de moi que tu ne l'étais au départ. Ok. T'as plus 1 d'armure, J'ai plus un d'armure, donc tu te donc prends un point de dégâts. je me prends un point de dégâts, c'est sur Kilgore. Ouais. Voilà. Ensuite, on fait ça. Peur Et 2. après, on fera ton après-attaque. Alors là, tu ne te déplaces pas que de 2. Ben, je suis obligé de prendre un dégât alors. Non. Si tu peux te déplacer de 2 Ah, sans encore. t'arrêter, tu es obligé de faire. Non. Et c'est en ligne droite. Peur, c'est en ligne droite. Il faut que Ah. si tu peux le faire. Donc, quels sont les endroits tu peux. Si Bah, tu 1, fais 2. ça, tu as 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc si tu termines ici, tu seras à 3 cases. Et Ah bah là, tu alors as non, 3 cases de il n'y a moins. pas le choix, alors c'est 1, 2, c'est là. Non, parce que c'est en ligne droite. Ah oui. Donc ça peut être là. 1, 2. Parce que là, tu Ça seras 1, 2, 3, 4 cases de peut être moins. là alors. Non, c'est en ligne Ah oui, c'est en droite. ligne droite. Donc tu m'obliges à passer dans le piège. Ben oui, parce que regarde, quelle est la seule possibilité pour toi de terminer plus loin de moi en ayant parcouru le maximum de recul Mais en par ligne rapport à qui? droite À lui ou à lui? par rapport à lui? Bah oui, bah donc j'ai pris un piège à 3. Et puis après, tu fais pousser 2. Ah, attends, après l'attaque, l'attaquant subit peur 2. Peur 2, est-ce que si c'est par rapport à lui, il faut que je vérifie. Si c'est pas par rapport à Oui, Goldar, est-ce que c'est Goldar ou c'est ouais. Kilogre? Ça dépend Ça, sur c'est. qui vient. Je vais te lire le truc, hein, bah justement. Parce que là, sinon, c'est 3 points de dégâts sans armure, quoi. Sérieux? Voilà. Si une action ou une réaction provoque la peur, le joueur qui contrôle le champion apeuré doit effectuer une charge X, donc charge 2, avec le champion ciblé dans n'importe quelle direction. Dans le cas où aucune direction ne lui permet de parcourir les X cases de la charge, le joueur doit choisir la direction qui permet. De parcourir la plus grande distance de charge possible. Bon, là, on voit que tu peux faire 2, donc il y a plusieurs endroits. Cette charge ne doit pas faire avancer vers la source de la peur. Donc. La source de la peur, c'est Goldar. C'est lui qui fait la carte. C'est lui qui joue la carte. C'est pas par rapport à l'attaquant. Donc c'est bien ce qu'on a C'est ça. joué. Ok. Et donc, lui, il fait pousser deux. Voilà. Non. Si, après, maintenant, une fois qu'on fait ça, on fait ton attaque, c'était quoi? Pousser deux. Pousser Ouais, 2. mais alors par rapport à elle, sa nouvelle Non, c'est pousse. par rapport à l'attaque qu'il y avait au départ. D'accord. Dommage. Hein? Parce que toi aussi, tu te serais pris un piège. Oui, je sais. Deux. Ça Voilà. m'aurait plu. Mais bon, c'est pas grave. 1, 2, 3. Mais j'ai pas réussi à enlever les deux. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, tu vas gagner 2 points de victoire. Donc, c'est à mon tour, c'est ça? Oui. Donc, est-ce que je contrôle la zone de déploiement Non. ennemie? Non. Est-ce que j'ai 3 champions adjacents à la même statue? Non. Non. Mais est-ce que je contrôle la zone Oui. de destruction? Purée, Oui. Donc, je me 4-1, quoi. retire. Sérieux.
Donc là, je marque 2 points de victoire, je suis à 4. Est-ce que j'ai un champion au contact de chaque statut? Non. Et est-ce que j'ai 2 champions dans les 2 zones de déploiement? Est-ce non. que j'ai un champion dans les 2 zones de déploiement? Non. Donc c'est à moi. Et là, ça va aller vite puisque je n'ai plus que une énergie, enfin une essence bleue. Je n'ai que une essence bleue. Bon, ça va dégager. C'est pas possible. Ça m'énerve. Revanche, je m'en fous. Revanche. Tu sais ce que je vais faire? Je vais utiliser. T'as pas gagné. Je vais utiliser la bleue. Je vais faire hisser les voiles. Alors, tu te déplaces de 1. Et ensuite, je fais une charge de 5 qui ignore les pièges et. Ok. Et tu sais où je vais aller. Ben, vas-y. Ça fait qu'un point de dégâts. Bah, sur qui? Sur Derine. Déplacement 1, puis charge 5. Derine, elle charge, c'est en ligne droite, tu vois, pourrais pas. Bah, si, tu fais déplacement 1, tu te prends le piège. 1, 2, 3, 4, puis voilà. Mais Derine, elle a combien? Derine, elle a 3 points de vie sur 7. Waouh, je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire ça. Jette tes cartes, Maro. Je récupère et là on bouge tout puisque c'est ça, oui, c'est la fin de mon tour. C'est la fin de ton donc tour. Ça sort. Oui. Celui-ci vient là. Oui, les zones creuses, on les laisse, hein, oui. On les laisse vides. Hein, les zones on qui ne ont comble été pas. Sporées, ouais, on les comble pas. Voilà, comme ça j'envoie les trucs et je repioche 5 cartes. Mais là, tu espères avoir un champion dans les 2 zones de déploiement. Et un champion dans la zone ennemie aussi. Non, elle est partie. Ah, elle est partie. Elle vient de partir. D'accord. Ah, la vache. Là, il te faut 3 points de dégâts pour elle. Si tu peux pas réagir, ça serait parfait. Là, bam, paf. Comment je te fais dégager de cette zone, quoi? C'est pas vrai. Comment je te fais dégager de cette zone? Ah non, il faut une botte, c'est ça ce que tu m'as dit. Il faut une botte. Ah oui, bah ça c'est possible, tu peux l'avoir. Donc ça ferait paf paf. Là, mais c'est nul parce que je te fais gagner quoi. Charge 2, pousser 1. Ok, pioche 1, je vais jouer en avant de Dougrund, c'est du jaune. Il se déplace de 1. Tous les alliés peuvent effectuer une charge, donc elle ne pourra pas. Elle va venir là. Et j'ai une pioche de 1. Comment elle s'appelle cette carte? En avant. En avant. Ok, ensuite, ça veut dire que, bien sûr, je tire pas la bonne carte du tout. Il n'y en a aucun, c'est nul. Ah, oh, ça me saoule. Alors, celle-là, je peux pas la faire. C'est vraiment inextricable dans ma tête. Ah si, je peux, avec lui, avec elle. Reste ton bleu et ton rouge ouais, à jouer. C'est ça.
Poussée 2. Poussée. Il est immunisé à la poussée. Il est immunisé à la poussée. Oui, il est difficile à bouger, il encaisse bien, et là, il a tous ses points de vie en plus. C'est génial, c'est génial. C'est génial, tu vas faire rouge pour gagner un sprint. Non, mais non, t'as gagné. Je peux pas te pousser, c'est fou ça. Ben tu peux m'attirer, quoi. Bah ben oui, mais non. 1, 2. Tu as fait un sprint avec. Un sprint avec rouge. Or, tu sais que tu peux apparaître ouais. Ici si tu veux. Hein. Oui, oui, mais et... ça ferait. De toute façon, ça fera 2. Et il me reste bleu. Ben, je vais faire plan 1. Mais c'est pas suffisant. Non, ça ne suffira pas parce que au début de mon tour, on vérifie les conditions. Et tu gagnes. Et je gagne. J'ai un champion dans chaque zone et demie, donc dans les deux zones de déploiement, et donc je gagne mon cinquième point de victoire. Ça me fait suer d'une force. C'est frustrant. On fait la revanche. Allez, on va faire une revanche. Ah, ça me frustre, purée. Germain, tu coupes. Cherche pas de générique et tout. On va refaire une revanche sur Facebook. Alors. Ouais, ouais, sur Facebook. Ça va tortiller du... Non, sérieusement, c'est pas...